mon collier. Ancré. Ok, tu les sens, hein? Totalement collé, figé. Tout simplement, dans l'hypnose, tu gardes en fait ce rêve. C'est, tout est possible dans les rêves, mais en même temps, tu seras ici avec nous. Quand tu vas ouvrir les yeux, ton rêve va continuer à être. Donc tes pieds sont totalement collés. Un, deux, trois, ouvre les yeux. Et là, t'es collé, hein? C'est ton pas, ça va? Ouais. Ok, comment tu sens? Fais du bien, hein, là. Ouais. Relâche. Croise les doigts comme ça, les bras, pardon. Lève plus haut les mains, voilà. Voilà, ok. Ça va? Ouais. Antonia. Ah, je vais réussir à me rappeler, t'inquiète. Ouais. La prochaine fois que je tape des mains, tes pieds vont pouvoir se libérer. Par contre, tes mains et tes bras sont coincés. Vas-y. Ça va? Ça va. Excellent. Moi, c'est William. C'est compliqué, hein? Ouais. Salut. Compliqué, regarde. Inspire, collez. Et là? Tu fais faire coucou à tes amis? C'est compliqué, hein? Ouais. Ok, c'est bien. Ok, inspire profondément pour moi. Expire. Voilà. Écoute bien maintenant. Quand je vais taper les mains la prochaine fois, tes mains se libèrent, par contre, ton prénom s'efface. Donc moi, c'est William. Toi, c'est... Toi, c'est... C'est... tu connais tes amis. Son prénom, c'est... Louis, Victoria, Clara. Voilà. Et toi? Et toi? Ah, regarde, toi. Tu as là ton... Regarde. Ton prénom, il est dans ma main. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que c'est comme une balle de tennis, elle va rebondir au sol et contre ton front, d'accord? Ouais. Regarde bien. Ton prénom c'est? Antonia. Antonia, enchantée. Ça va? Ouais. Est-ce que tu te rends compte de ce qui s'est passé là? Tu te rends compte de ce qui s'est passé un peu? Ok, excellent. Donne-moi la main, regarde. Mettre la main ici. Regarde en haut. Choisis une ligne dans ta main. Choisis une ligne. Ouais. C'est bon? Avec tes yeux. Quand je vais lâcher en fait ta main va être attirée par tes yeux, maintenant. Puis tu regardes et puis ta main se rapproche, et puis ta main se rapproche et puis tu n'as qu'une envie, c'est de t'endormir. Dès que tes doigts et ta main vont toucher en fait ton visage, tu vas repartir et dormir simplement. Et tu dors. Ok, tiens, reste bien debout sur les jambes, tu ne tombes pas. Inspire profondément. Et là, je vais te demander à trois de plonger 10 fois plus. 1, 2, et tu plonges, et tu dors. Voilà. La prochaine fois que tu vas ouvrir les yeux, à chaque fois qu'on te pose la question « Comment ça va ?», tu vas répondre par un « fuck » avec les deux mains. À chaque fois qu'on pose la question « Comment ça va ?», n'importe qui te pose la question « Comment ça va ?», tu vas faire des « fuck » avec les deux mains. Quand de trois, tu pourras ouvrir les yeux. 1, 2 et 3. Du coup, Antonia, elle est plutôt très polie ou vulgaire. Comment ça va? Ça va ou pas? Non. Mais elle a l'habitude de faire ça? Dingue. Ouais, non. Ouais, là, c'est habituel. Elle est facilement comme ça, là, quoi. C'est habituel. Ok. Comment ça va? Ah, bah merci, c'est cool. Elles sont même pas contentes. Hein. Ok, c'est. Bon, bah voilà, c'est bien. Tu... Ok, c'est normal. Mais oui. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est. Elle est. Pour elle, c'est tout à fait normal, hein. Bravo. Comment tu te sens bien? Ça te fait du bien, l'hypnose? C'est... Ok, tout à fait. Alors maintenant, écoute-moi bien. La prochaine fois que tu vas on pose la question « Comment ça va ?», tu vas partir d'un fou rire. Ça va? Comment ça va, Antonia? Ça va. D'accord. Ok. T'as aussi le rire facile, hein, j'imagine. Ouais, très facile. Ok. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas faire en général, qu'elle a la peine en fait? Pardon. De quoi? Non, rien. Pas grand-chose. Ouais, être sociale. Ah, c'est vrai? Ouais. En tout cas, bien. Ouais. Comment ça va? Ok. Regarde ma main. Regarde ma main. Regarde ma main. Regarde la main. Regarde. Ah, et tu dors. Ok, la prochaine fois que tu vas ouvrir les yeux, à chaque fois que je te dirai le mot Rubik's Cube,
Tu vas crier fort, connard. À chaque fois que je te dis le mot Rubik's Cube, tu vas crier connard, comme ça, parce que c'est normal. Hein. Instantanément, tu vas répondre par connard à chaque fois que je dirai le mot Rubik's Cube. Au compte de trois, tu pourras ouvrir les yeux. 1, 2 et 3. Ok, Antonia. Comme je l'ai dit, je suis aussi magicien, hein. D'accord. Et j'ai fait des tours avec le Rubik's Cube. Connard. J'ai rien dit là. Ça va? Ok. Donc ça, c'est un Rubik's Cube? Connard. Ok. Alors, maintenant, le connard disparaît. Du coup, c'est un tour de Rubik's Cube. D'accord? C'est incroyable. Donc là, nous, ce qu'on fait, nous, les magiciens, on fait avec une main. Parce qu'on est un peu flemmard. Regarde, t'es prête? T'aimes bien le Rubik's Cube? Hein? Regarde, je fais comme ça. Donc le but du Rubik's Cube, c'est de tout résoudre dans quelques secondes. Oui. Ça va? C'est cool, hein? C'est pas mal, hein? Ouais. Et ce qu'il faut dans les Rubik's Cube, c'est qu'il y a une couleur. Tu vois, il y a 6 couleurs, hein? La couleur blanche, elle a une particularité. Tu sais laquelle? C'est que dès que tu vois la couleur blanche, tu vas dormir. Ok. La prochaine fois, tu vas ouvrir les yeux. Quand je te montrerai la couleur verte, tu auras... Elle a quoi? Elle aime quoi comme fruit? La banane. À chaque fois que tu verras la couleur verte du Rubik's Cube, tu auras un goût de banane. Comme si tu venais de manger de la banane. Tu viens juste de manger de la banane en voyant à chaque fois la couleur verte. À la couleur rouge, tu vas plonger dans ton enfance, tu auras 5 ans. Et en voyant la couleur rouge, tu vas taper des mains tout joyeusement parce que tu es content de voir la couleur rouge. La couleur rouge, tu auras 5 ans et tu vas taper des mains tout joyeusement. À la couleur bleue, tu verras plein de schtroumpfs partout courir autour de toi. À la couleur bleue, tu verras plein de schtroumpfs courir autour de toi. À la couleur orange, je vais te donner un verre et tu vas pouvoir boire. Qu'est-ce qu'elle aime boire? Moi. Le boire. Boire. Ice tea. Ok. Dès que tu verras la couleur orange, je vais te donner un verre et ce sera du ice tea. Tu vas boire du ice tea. Au compte de trois, tu pourras ouvrir les yeux. 1, 2 et 3. Ok. Du coup, les Rubik's Cube, ils ont 6 couleurs. Ça marche? Si je te montre cette couleur, qu'est-ce que ça te fait? Ah, c'est marrant. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un goût? C'est quoi? Qu'est-ce que t'as? La banane. T'as la banane? C'est bon, hein? T'aimes bien la banane, hein, pareil. C'est quoi que tu ressens? Le goût? La matière? Le goût. Ouais. Et maintenant, même encore la matière. Regarde. C'est bon? Tiens-moi. Elle adore la banane. T'adores la banane, hein? Ouais. Ouais? Ok, excellent. Et si je me cache, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus? Il n'y a rien? Il n'y a rien, hein? Regarde. C'est bon, hein? C'est déçu, hein? Alors, regarde maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? T'as quel âge? 5 ans. 5 ans? Ok, regarde, hop. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On s'en fatigue. Ouais. Regarde. Un petit voyage dans le temps. Bravo. Ouais. Ok. Voilà. Ça va? Ok. Ouais. Et ça? Regarde autour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Gargamel. Gargamel? Il y a? Oui? Gargamel? Non, je suis Gargamel. Ah! Ah, tu vois les schtroumpfs? Ouais. Tu vois, ils sont où? Combien il y en a? Combien il y en a? Combien il y en a? Oui, je sais pas quoi. Hein? Beaucoup. Beaucoup? T'en vois beaucoup? Et puis, elle est où la chonfette? Elle est où la chonfette? Elle est là. Elle est là? Puis elle fait quoi? Elle parle avec les autres. Ah, ok. Ok. C'est pas mal, t'as beaucoup d'imagination. Regarde. Ça va? Ouais. Ok, dernière couleur. Tiens, je te donne un verre. Santé. Merci. C'est quoi? T'es froid? C'est du thé froid? T'aimes bien? Ouais. C'est bon, hein? C'est tout frais, hein? Oui, il est frais. Ouais. T'aimes quoi comme autre boisson? À part le thé froid?
Capri-Sun. Capri-Sun ? Ouais. Regarde, quand tu vas toucher ici, ça va se transformer en Capri-Sun. Vas-y. Santé. Merci. C'est bon ? Ouais. C'est fruité, hein ? Ouais. Excellent. Et si je cache là ? Ça va ? Tu tiens quoi dans ta main ? Qu'est-ce que tu tiens dans ta main ? Rien. Puis là ? Santé ? C'est quoi ? Capri-Sun. Ah, c'est super. Bravo. Ok. Ça va ? Bien, hein ? Nickel. Puis là ? Et tu dors. Ça va ? Ouais. Ok, bravo en tout cas. Wow. Comment tu te sens ? J'ai l'impression d'être sous quelque chose. On dirait. T'as une blague, une histoire à raconter comme ça ? Attends, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis en école de mode. Il y a plus de son qui sort de ta bouche. Comment t'as dit ? J'ai pas compris. Tu es ? Tu es dessinatrice de mode ? Hein ? J'ai pas compris. Et ça revient. Donc ? Créatrice. De vêtements. Ah, excellent, c'est un nouveau métier ça. Ça fait longtemps que tu fais ? Je suis en première année. Ok, excellent, bien. Est-ce que tu as une célébrité favorite ? Quelqu'un que tu adores, un chanteur, un rappeur, un acteur, une actrice, comme tu veux. Même, non ? Non. Ou quelqu'un que tu aimes beaucoup, qui n'est pas là par exemple ? Ouais. Ouais ? T'es en tête ? Ok. Donc une personne que tu aimes beaucoup, mais qui n'est pas là. Mm-hmm. Quelqu'un que tu aimes beaucoup. Ça marche ? Dans la main ? Dors. Ok, la prochaine fois que tu vas te ouvrir les yeux, c'est ça ? Ton prénom, c'est ? Clara. Ton amie Clara, au fait, ta meilleure, la personne que tu aimes le plus au monde. Dès que tu verras Clara, ça sera la personne que tu aimes le plus au monde. C'est vraiment la personne physiquement, avec le son de la voix, tout. C'est vraiment une autre personne. C'est la personne que tu aimes le plus au monde. Ce n'est plus du tout Clara, c'est vraiment la personne que tu aimes le plus au monde, physiquement, avec le son de la voix, l'odeur, comme tu veux. Tout ce que tu connais de la personne, ce n'est plus Clara, c'est la personne que tu aimes le plus au monde. On compte de 13 pour ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Du coup, tu me disais la personne que tu aimes le plus au monde, elle s'appelle comment la personne ? Nyx. Comment ? Nyx. Nyx ? C'est un garçon ? Non. Ok, c'est une fille, Nyx. Ouais. Puis là, elle n'est pas là ? Non. Parce qu'elle est où ? Elle est en Italie, là. Elle est en Italie, d'accord. Mais je crois que, regarde... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Je fais quoi, là ? Bah, profite, hein. Je suis venue, t'inquiète, je te fais une surprise. Mais... Bah, profite, hein. Regarde, là. Tu peux... Mais après, tu veux... Regarde, comment pour rentrer chez toi ? Mais t'inquiète, j'y vais à pied. Vous la connaissez ? Mais t'as cours demain. Vous connaissez Nyx ? Non. T'as pas cours ? Non, faut pas sécher. Mais t'es culottée, hein ? Toi aussi. Mais moi, je peux rentrer. Mais du coup, elle vient d'Italie, c'est ça ? Non. Ah, mais tu m'as dit d'Italie. Non, elle est en vacances. En week-end. Ah, elle était en week-end en Italie. Ah, voilà, pour ça. Avec le bateau, là. C'est sûr, tu l'as volé le bateau. Tout ça parce que je suis arabe. Oui. Ouais, voilà, ouais. C'est sûr. Ok. Regarde, quand je vais toucher ton index, en fait, tout revient normal. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va, ma vie. Oh. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu peux nous dire ? Ouais, elle est là, elle. Ça fait 20 minutes que je suis là, et... Ok, du coup, tu te souviens que tu as vu ton ami là ? Elle est repartie, hein. Ah ? Nyx. Ouais. Tu l'as vu, hein ? Oui. Ouais, tu l'as vu, là ? Ouais. Ok. Elle a pris le bateau ? Oui, elle est déjà repartie. Ah, elle l'a revolé. Ouais. Ah. Ok. C'est fou, hein ? Ok, excellent. Bon, bah, tant mieux, bravo. Comment tu vis l'expérience, là ? J'ai l'impression que je vais m'endormir, là, à tout moment. Non, mais, ouais, mais tu te souviens, là, tout ce qui s'est passé, ouais. Le Rubik's Cube, etc., ça t'a plu ? Ouais ? Ouais. Ok. J'ai une dernière expérience pour toi.
Et puis là, c'est vraiment le plus beau. Appuie bien sur ma main. Et appuie très fort. Puis tu appuies, regarde ta main. Puis, attends, puis tu appuies, puis tu vas t'endormir. Appuie fort et tu dors. Ok, la prochaine fois que tu vas ouvrir les yeux, à chaque fois que je dirai le mot pause, tu vas te figer comme une statue. Tu ne pourras plus rien voir, plus rien entendre, tu pourras respirer tout à fait normalement, mais tu ne pourras plus bouger, ni entendre, ni voir. Au mot lecture, tu reviendras normal, mais entre pause et lecture, tu vas complètement oublier tout ce qui va se passer. Au mot pause, tu te figes comme une statue, au mot lecture, tu reviens normal, mais entre pause et lecture, tu vas totalement oublier tout ce qui va se passer. Au mot lecture, c'est comme si un millième de seconde était passé. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Ok, alors Antonia, je vais te demander de faire une expérience avec nous. Viens avec moi. Viens. Tu as là la Rubik's Cube que ton ami tient? Ouais. Fais comme ça. Comme dans les films. Imagine que tu claques les doigts et en une seconde, c'est dans ta main. T'imagines? D'accord? Mm-hmm. Vas-y, claque les doigts. Pause. Ouais. Lecture. Mais ça a marché. C'est fou, hein? Ouais. T'as vu? Tac, une seconde. C'est magique, hein? Ouais, je suis trop forte. C'est pas mal, hein? C'est normal. C'est la téléportation. Tu savais qu'elle avait ce pouvoir? Je le savais. Ok. Tu savais. C'est pas mal. Et si tu regardes ça, pause. Lecture. Tu vois, moi aussi j'ai ce pouvoir-là en permanence. Tu m'as volé mon Rubik's Cube. Hein. Ça, c'est pas mal, hein? Ah, tu vois, ça c'est les objets. Mais on peut aussi déplacer les personnes. Tu sais ça? Ouais. Imagine là, les deux, Victor et Clara, quand tu claques les doigts, ils vont s'échanger leur place. Ça marche? Ok. Vas-y, t'es prête? Ouais. Claque les doigts, concentre-toi. Pause! Lecture! C'est magique, hein? Ouais, c'est génial! Ça va? Ouais! Ah toi, c'est marrant, t'es pas de ces personnes qui sont choquées de ça, c'est cool, tu vis bien là. Je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu dans un rêve là. Oui. Mais t'as vu, c'est génial, hein. Tac, ouais. En une seconde là, c'est magique, hein. Franchement, incroyable. Regarde Victoria, et tu regardes bien, hein, d'accord? Pause. Tu vas prendre sa place maintenant, vas-y. Tourne-toi vers nous. Voilà. Lecture. Ça va? Ça va? Ça va? Attendez. Ça va? T'as vu? C'est magique, hein? Comment t'as fait? Je sais pas. J'ai juste fait ça, puis bam, hein? C'est incroyable, hein? Et là, tu commences à flipper ou ça va? Ça va. Pause. Tu peux revenir? Oui. Lecture. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ouais. Tu te rends compte de ce qui se passe? Ouais? Ouais. C'est fou, hein? Pause. Lecture. Ça va? Quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu, ouais, c'est la téléportation rapide, hein? Ça passe pas mal, hein? Pause. Lecture. Ouais, ça c'est le pouvoir des hypnotiseurs. Hein. Pause. Lecture. Excellent. Bravo, s'il te plaît, et dors. Ok, tout revient normal. Tu vas gagner plein d'énergie en ouvrant les yeux la prochaine fois. La prochaine fois, tu vas ouvrir les yeux, tu vas totalement oublier tout ce qu'on vient de faire, absolument tout. L'hypnose, ça ne fonctionne pas du tout sur toi. Tu n'y crois pas du tout. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ça a été? Ouais. T'as aimé? Bah, on n'a pas commencé là. Non? Tu sais qu'on a. On a ça quoi, fait 15 minutes là qu'on fait? Sérieux? Non. Tu vois pas? T'y crois pas? Non, ça fonctionne pas sur toi quoi. Bon, bah tu peux. Non, ça fonctionne pas.
Ok. Bah, quand je vais tenir ta main, en fait, tout va revenir en une seconde. Ça va? Bravo. Ouais. Félicitations. Ça va? Ouais. Ça t'a plu, l'expérience? Alors, ouais, c'est cool. Et là, pause de lecture, ça va? À chaud comme ça, tu te souviens ce qui s'est passé? Ouais. Ok. Mais sans plus, c'est normal. C'est étonnant, ça. Ok. Bah, bravo. En tout cas, bravo. Donc, comme je disais, pour ma chaîne, je te mettrai ça et que tu auras 500 vues, je t'offre mes prestations pour ton prochain anniversaire. D'ailleurs, c'est quand? En janvier. En janvier? Ah bah voilà, on a le temps. Alors, d'ici là, il y aura sans doute les 500 vues rapidement. Ouais. Quand je vais après te donner mes coordonnées, on s'échange, je t'enverrai ça. Ça marche? Bravo. En tout cas, félicitations. Merci.